Voilà, bonjour, bon lundi à tous et à toutes. Bon début de semaine, que la gloire de Dieu soit sur vous, que sa grâce y surpasse toutes choses, soit votre force, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Merci d'être connecté à ce direct, c'est juste une annonce importante que je voudrais lancer. Et l'annonce, quand vous regardez le direct, sur l'intitulé du direct, j'ai mis l'adresse. Nous rendons grâce à Dieu pour la faveur qu'il nous a accordée de passer ce week-end ensemble. Ça a été pour moi une expérience extraordinaire. En votre présence, vous êtes des hommes et des femmes merveilleux. Vous êtes, j'ai senti le charme de Dieu sur vous. Le charme de Dieu, le genre de charme qui attire les gens. Qui attire les gens. Et donc je suis à Paris et ce soir, nous avons le grand rendez-vous. Nous avons un très très grand rendez-vous. Papa, tu as de belles lèvres. Chacun a son problème ici dehors. On est à te sauver les âmes. Quelqu'un nous dit que quelqu'un regarde les lèvres. C'est terrible. D'accord. C'est les lèvres de Jésus. Parce que il y a des gens qui ont un courage d'enfer. Un courage d'enfer. Voilà, bien aimé. Nous avons une chaîne de convocation ce soir. Et je voudrais parler à tous les jeunes, à tous les jeunes hommes, à toutes les jeunes femmes. Le rendez-vous est passé aujourd'hui. Je dois vous rencontrer ce soir à partir de 17h. À 17h. Et l'adresse, je l'ai donnée là. Laissez-moi. Donc l'adresse, c'est écrit en haut de l'intitulé de la vidéo. C'est au niveau de... C'est rue quoi là, Palaiso, vers Palaiso là-bas. Donc ne manquez pas ce grand rendez-vous, c'est ce soir à partir de 17h. 17h, je lance cet appel vibrant à toutes les jeunes femmes, à tous les jeunes hommes, à tous ceux qui veulent faire partie de la garnison des prophètes, à tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ avec moi. Ne manquez pas ce soir, ce lundi, c'est 30, à partir de 17h. À partir de 17h. Nous aurons une rencontre pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur avec moi et faire partie de la garnison des prophètes et du grand mouvement de révolution prophétique que le Seigneur est en train d'amener en France. Avec des signes extraordinaires, avec des prodiges, la parole de Dieu prêchée dans sa puissance et accompagnée de la manifestation de la souveraineté de Dieu. Ne manquez pas le rendez-vous de ce soir à partir de 17h. 17h. Ne manquez pas. Donc ce sera ce soir à partir de 17h, pile, on se retrouve. Si vous êtes un jeune homme, vous voulez servir Christ avec moi, une jeune femme, vous voulez servir Jésus avec moi, ou n'importe qui voulait servir le Seigneur avec moi, ne manquez pas. Vous voulez faire partie du grand mouvement, des pionniers du mouvement prophétique en Europe. La flamme s'allume ici à Paris. Donc je suis en mission, je suis venu pour travailler. Je suis venu allumer un feu dans cette nation et dans beaucoup d'autres nations d'Europe. Donc, voici l'opportunité à toute la jeunesse européenne, toute la jeunesse française. Ne manquez pas.
Voyons-nous ce soir. J'ai dit qu'il y aura une impartition pour ceux qui seront mes futurs collaborateurs dans l'œuvre d'évangélisation de l'Europe. Donc ne manquez pas. À certains moments, vous ne pouvez pas seul mener à bien l'œuvre que le Seigneur vous a donnée. Dieu met à côté de vous des hommes et des femmes qui vous soutiendront. Mais il faut que votre esprit soit sur ces hommes et sur ces femmes. Voilà pourquoi il y aura une impartition. La Bible dit qu'à un certain moment, Dieu, voyant que Moïse était dépassé par le travail débordé, il lui a dit, choisis 70 personnes parmi les plus fidèles, parmi les plus loyales, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils puissent avoir la vision, qu'ils puissent assimiler la vision que je t'ai donnée, qu'ils aient la même vision que toi sur le plan spirituel et qu'ils puissent être pour toi des tremplins et une force. Vous voyez. Donc, bien-aimé, ne manque pas. Si tu es jeune, voici l'opportunité de servir le Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite à faire partie de cette grande armée. Et le Saint-Esprit est en train de recruter des soldats pour apporter la révolution prophétique en France et en Europe. Donc, si vous êtes là, ne manquez pas. Ne manquez sous aucun prétexte. Déplacez-vous et venez. Tu es une jeune femme. Tu veux montrer ton zèle pour Dieu. Viens, s'il te plaît. Tu es un jeune homme. Tu veux montrer ton zèle pour Dieu. Tu es un parent. Tu veux montrer ton zèle pour Dieu. Ce soir, ça sera terrible. Et nous sommes en train de travailler pour les 31 décembre, en fait. On est en train de travailler là-dessus. Nous sommes en train de travailler. Trouver les salles, c'est compliqué. Dès que la salle est trouvée, je vais confirmer cela. Donc, et si nous y réussissons, ça sera extraordinaire. Alors, je lancerai un appel retentissant à tous mes enfants de l'Europe. Ça sera la nuit de l'Europe, pas de la France, mais la nuit de l'Europe. Tout le monde viendra avec ses drapelets et vous verrez ce que Dieu fera cette nuit pour nous. On se préparera ensemble. Donc, il y a une armée puissante que Dieu est en train de susciter en Europe. Et vous avez l'occasion. Vous avez l'occasion d'être là. Beaucoup de personnes qui étaient à ce programme ont observé des choses qui n'allaient pas bien. Donc, ne critiquez pas seulement, mais cette fois-ci, dites-vous, je vais mettre la main à la pâte, moi, pour que ça soit meilleur, pour que l'organisation soit meilleure. Donc, cette armée doit être ordonnée, ordonnancée. Et c'est pour cela que je suis là. Pas de repos, je me reposerai certainement. Lorsque j'aurai fini toute la tournée évangélique, quand je rentrerai au Cameroun, si c'est possible. Mais cependant, l'appel est pour toi, jeune homme. L'appel est pour toi. Voilà. Voici donc l'adresse. 8 avenue 1er mai 91-120, Palaiseau, dès 17h, Palaiseau. Merci à Agnès Nyangono. Merci. Voilà. Donc vous pouvez mettre en commentaire aussi l'adresse. Hein? Donc c'est ce soir à partir de 17h à 8 avenue 1er mai 91-120, Palaiseau, dès 17h. Pendant que tu viens, le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc, il y aura un service d'impartition pour que de l'esprit qui est sur moi soit déposé sur tous ceux qui seront présents. Alors, immédiatement, la machine sera lancée et ce sera le noyau organisationnel des prochaines rencontres. Et le noyau avec lequel nous travaillerons par rapport au 31 décembre. On est en train de chercher une grande salle. Donc, si vous avez des propositions de salle, des facilités par rapport à cela, une salle qui peut contenir 3000 à 5000 personnes, parce qu'on ne veut plus les gens debout, on ne veut plus voir les gens pleurer, on ne veut plus les gens se lamenter. Vraiment, je ne suis plus prêt à revivre les traumatismes que j'ai vécu. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus, je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu as une passion pour Christ. Donc, ne manque pas au rendez-vous de ce soir à partir de 17h. 17h. Voilà, à partir de 17h, par la grâce de Dieu, ce sera, comme on a dit, à 8 avenue 1er mai 91-120 Palaiseau. Comme tu viens, que la main de Dieu soit sur ta vie puissamment. Et ce soir, à 22h, j'aurai un spécial direct. Ne manquez pas ce direct. Et comme vous le faites, que Dieu vous bénisse. Je bénis votre journée. Je bénis votre main droite. Je bénis votre main gauche. Je bénis vos activités. Et que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Tu ne seras pas un sujet de honte, mais tu relèveras le défi que l'on n'a pas pu relever, ni dans la maison de ton père, ni dans la maison de ta mère. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h pour la dernière fois, 8 avenue, 1er mai, 91 120 par les Sceaux. Shalom. Bye.